Bonjour, c'est Rémi, couvreur Zinger à Lyon. Et aujourd'hui, je vais montrer comment je remplace des gouttières demi-rondes, donc gouttières lyonnaises plus précisément pour la région que je suis, sur chantier. Voilà, donc c'est une simple réfection de gouttière. Donc remplacement d'une gouttière toute simple sur une maison d'habitation. Pour expliquer la subtilité entre une gouttière lyonnaise et une gouttière demi-ronde, c'est simplement que ici à Lyon, j'avais pas vu ça dans d'autres régions, mais en fait les gouttières demi-rondes disposent d'une pince ici et d'un ourlet avec diamètre plus grand, ce qui offre une plus grande rigidité sur la longueur. Je saurais pas confirmer ça, mais j'imagine que vu qu'on est dans une région qui est plutôt proche des Alpes et de la montagne, c'est probablement pour ajouter un petit peu plus de résistance en cas de petits épisodes neigeux, même si en théorie dans l'endroit où il y a vraiment de la neige, c'est plutôt les crochets qui sont fixés sur la charpente qui vont retenir la neige avant la gouttière. Donc là, pour commencer, j'ai déposé tout le premier rang de tuiles, ce qui va me permettre en fait d'accéder à la gouttière pour pouvoir travailler correctement. Donc étant donné que on est dans une région où les toits sont à faible pente, ça me permet de travailler comme ça. Ça m'évite aussi d'avoir à mettre un échafaudage, parce que malheureusement pour un petit bout de prestation comme ça, c'est mettre un échafaudage, ça coûterait bien plus cher que faire le travail, donc c'est pas forcément cohérent de faire ça. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi de travailler du dessus. Et la plupart du temps, c'est ce qu'on fait hein, pour éviter d'avoir trop de travail. Donc là, l'intérêt également d'enlever le premier rang, c'est que ça me permet de voir l'état des boîtes couverture en dessous. Donc on remarque que c'est plutôt sain. Le seul truc qui est assez marrant dans ce cas-là, et ce qu'on voit pas si souvent que ça, c'est qu'il y a énormément de nids d'oiseaux qui sont encore occupés par ailleurs. J'en ai vu un ici ce matin. Ou encore des plumes. Et la plupart du temps, quand je vois des déchets ou des trucs mal mis en bord de toiture, je les enlève. Mais bon, là, c'est des nids qui sont habités. Ça m'embête un peu de les enlever, surtout que ça nuit pas vraiment à la construction. Parce qu'en fait, quand on regarde là, on constate qu'en fait, c'est directement les combles avec la ouate qui est... Enfin, c'est pas vraiment de la ouate, mais l'isolant pulsé. Et en fait, il n'y a pas de cache mono, il n'y a rien qui comble le vide ici, ce qui veut dire qu'il peut y avoir du vent qui s'engouffre ici et qui fait voler un peu tout à l'intérieur. Donc finalement, je me dis que c'est pas si mal que les piafs soient venus nous foutre des nids ici, parce que bah, au final, à terme, bon là c'est des nids qui sont occupés, donc c'est un peu plus brouillon. Mais quand on regarde des nids qui ont été faits il y a quelques années et qui ont été enlevés, par exemple ici, là c'est plutôt intéressant, mais on voit que ça s'est bien tassé. En fait ils nous ont fait une petite isolation paille sur l'extérieur en débord de toit pour éviter les bons thermiques, donc je vais simplement les laisser faire, puis au fil des années il y aura de la paille qui sera tout sur le bord de toit, donc c'est pas si mal. Le seul truc que j'aurais besoin de faire gaffe, c'est de pas foutre le feu à la baraque au moment de faire les soudures avec mon fer, mais bon, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire attention de ne pas fermer les jonctions en face d'un nid.
Donc là, on voit la raison pour laquelle je change la gouttière en fait. C'est pas une gouttière qui est très très vieille. Je la change pas parce qu'elle est usée par le temps, mais en fait parce qu'il y a ces crochets-là là, qui ont été fixés malheureusement avec de la pointe pour fixer les ardoises. Donc en fait, c'est beaucoup trop petit. Et avec le temps, en fait, le crochet, il a tendance à partir comme ça. Ce qui devenait menaçant parce que la gouttière, elle menaçait de tomber. Une autre raison du remplacement, comme on voit ici, c'est en fait c'est le traitement des soudures. Donc bon, elles n'ont pas été collées au silicone, ça c'est une réparation qui a été faite, mais là on voit en fait que c'est une soudure qui est pas maîtrisée. Le fer n'était pas assez chaud en fait. Et puisqu'il n'était pas assez chaud, ça fait que l'étain n'avait pas suffisamment bien capillarisé ici, ce qui fait qu'il y avait très peu de résistance mécanique et aux premiers efforts de dilatation, en fait, ça s'est mis à fondre. Et donc après, bah, malheureusement, ça crée des gouttes à gouttes et des fuites dans la gouttière. Donc c'est bien dommage parce que bah, c'est des gouttières qui sont vraiment pas vieilles du tout, hein. On aurait presque plus les réutiliser, mais bon. Là, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un cas où la façade va être refaite à neuf. Donc on profite de l'occasion pour faire quelque chose de neuf. Et puis pour des raisons d'économie, c'est pas intéressant en fait, parce que réemployer des gouttières patinées, étant donné le temps que ça met à décaper, retravailler correctement pour les reposer, ça prend énormément de temps en main-d'œuvre et finalement on arrive quasiment au même prix qu'à refaire du neuf. Donc maintenant que l'ancienne gouttière est déposée, bah, je vais poser la nouvelle. Donc je vais commencer par dresser ma pente de crochet. Donc ça c'est des crochets vado. Ici on appelle ça des brides. Donc, en fonction d'une région à une autre, les noms changent un peu tout le temps. Ce que j'aime bien avec ceux-là, c'est de la marque Frenéar. Ils sont à peu près tous similaires en fait, hein. Il n'y a pas de grande importance. Mais ce que j'aime bien dans ceux-là, c'est qu'il y a une paillette qui est plutôt rigide ici, qui est assez épaisse et j'aime bien parce qu'elle vient bien serrer la gouttière. Donc pour la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mon haut de pente. Et après, je vais tirer ma pente de 5 mm par mètre. Jusqu'au bout là-bas. Donc là, j'ai 12,50 m. Donc ça me fait entre 6 et 7 cm de pente sur la longueur. Pour la fixation, je mets des vis comme ça. Donc elles font 40 cm de long, 4 cm de diamètre. C'est ce qui permet de bien passer dans le trou de la bride. Comme ça, la pointe, la vis, s'enfonce bien et elle ne dépasse pas. Ça crée pas de surépaisseur avec la tête. Et puis, bah, surtout, ça permet une bonne résistance à l'arrachement pour pas qu'il y ait le même problème qui s'est produit en fait avant. Ce que j'aime bien également avec la vis, c'est que lors des dressages des pentes, il arrive qu'on se rende compte que 5 mm ne soit pas suffisant parce que c'est un vieux bâtiment et que parfois, quand il y a des grands débords de toit, ça travaille. Et puisque ça travaille, ça fait qu'on peut se retrouver avec des contre-pentes et dans ce cas-là, on a besoin de rectifier. Et dans ces moments-là, on est bien content d'avoir vissé pour pouvoir modifier.
Donc là, j'ai mon cordeau qui est tendu sur le fond de ma bride. L'autre était en haut ici. Et lui, je l'ai mis à 7 cm pour 12 mètres. Donc en théorie, il faudrait 6, mais j'aime bien toujours mettre un petit peu plus parce que j'aime bien que l'eau s'écoule bien. Surtout que maintenant, pas mal de personnes sont assez inquiètes des moustiques et n'aiment pas trop qu'il y ait des stagnations d'eau. Donc je préfère avoir une pente un peu plus forte et être sûr de ne pas avoir de stagnation d'eau. Et là ensuite, je fais ce qu'on appelle le test de l'eau. Donc j'aime pas trop mettre de niveau pour vérifier mes pentes de gouttière parce que je trouve que c'est difficile sur un niveau d'un mètre d'estimer une pente sur 12 mètres. Donc ce que j'aime bien faire, c'est présenter un bout de gouttière. Donc là voilà, j'ai mon crochet de bas de pente. J'en ai mis un 4 mètres plus loin de la longueur de ma gouttière. Là je la présente, je la maintiens juste au milieu à coller pour pas fausser la pente. Et ensuite, ce que je fais tout simplement, c'est que je vais venir verser de l'eau dedans pour voir si la pente est correcte. Donc là, c'est le cas. On voit que l'eau file bien. Voilà, l'eau s'écoule pas mal. Moi j'aime bien quand elle s'écoule comme ça. On pourrait mettre un petit peu moins de pente pour l'esthétique. Mais je préfère que ça file. Parce que j'aime pas la stagnation d'eau. Et puis bon, après la gouttière, c'est pas le truc qu'on regarde tous les jours, quoi. Concernant les crochets, ils sont systématiquement posés en face d'un chevron. Comme ça, une fois fixés, ils viennent se prendre sur un point fort, donc sur la charpente, même si c'est pas forcément indispensable. Au moins la vis, elle vient sur un point dur. Ce qui est pas mal aussi, c'est que ça permet de pas s'embêter à tracer en fait pour les répartir, puisque bon bah les chevrons de charpente sont à peu près espacés à 50 cm, donc ça respecte l'anthrax nécessaire pour les crochets. Ensuite, une autre raison pour laquelle j'aime bien le cordeau, c'est qu'en fait il me permet de bien aligner le fond de mon crochet perpendiculaire à ma pente. Parce que le risque en fait, c'est qu'un crochet soit un peu comme ça. Bon, j'exagère, hein, mais des fois ça arrive qu'il y ait des imprécisions quand on n'a qu'un point, un trait de cordex et qu'on n'a qu'un seul point de référence. Et c'est pas forcément évident de le régler bien d'équerre par rapport à la pente. Ce qui fait qu'après, c'est pas forcément très joli quand on vient sertir le crochet dans la gouttière. Ça arrive des fois qu'il y a un peu de jour et c'est pas super. Une autre raison pour laquelle j'aime bien faire comme ça, et c'est là que ça a plus d'intérêt parce que en soi un trait de cordex ça suffit et c'est vrai que ça va un petit peu plus vite. Mais en fait là où ça prend tout son sens, c'est quand je dresse des pentes sur des 4 pans. Parce que souvent c'est un peu le piège. Sur un 4 pans, on peut partir du point bas et se retrouver piégé quand on arrive au point haut à se rendre compte qu'on est bloqué, qu'on ne peut plus mettre assez de pentes. Donc ce que j'aime bien faire sur des 4 pans en fait, c'est vraiment dresser tous mes crochets avec tous les cordeaux. Et en fait ce qui est bien, c'est qu'une fois que les cordeaux sont attachés au crochet, bah si on voit qu'il y a un truc qui ne va pas, rien n'empêche de dévisser un crochet et de le baisser. Alors que lorsqu'il y a des traits de cordex, c'est vraiment galère parce que si on se rend compte que ça ne va pas, bah faut retracer un trait. Et là ça crée des sources d'erreurs parce que bon, alors autant on peut s'en sortir en traçant avec un cordex bleu à la place du rouge pour pas confondre le trait, mais ça peut vite paraître brouillon. Et un autre truc aussi, c'est que parfois ça arrive, donc là c'est pas le cas, c'est une planche en bois, mais des fois il y a des habillages de bandeaux en PVC ou en aluminium blanc.
Et là, pareil, un trait de cordex rouge, ça peut faire des vilaines traces après avec la pluie battante et l'humidité. Ça peut faire des coulures et c'est pas très joli. Donc ensuite, je passe à la préparation de mes fonds et de la naissance. Donc j'ai pu montrer dans des précédentes vidéos que ça peut se faire, ça peut se fabriquer maison sur mesure. Il m'arrive parfois de le faire sur les chantiers, ça dépend de mon humeur. Des fois, j'ai envie de m'amuser et je m'amuse à faire des talons faits main. Parce que j'ai envie de le faire, mais c'est pas toujours le cas, et ça m'arrive parfois de simplement acheter des talons du commerce et de les souder sur chantier, hein, par raison de simplicité. Pour ce qui est de la marque que j'utilise, j'aime bien prendre VM Zing, mais en général, je prends les naissances, les fonds et les gouttières, toutes de la même marque, parce que les accessoires sont faits pour une marque. En général, ça va mieux, même si ça s'adapte, c'est plus précis. Concernant les marques de zinc, il y en a plusieurs. J'ai pas vraiment vu de mauvais zinc. Je sais qu'il y a du zinc espagnol, du zinc qui est fait en Hollande, du zinc qui est fait en Allemagne, à des prix différents. Donc, le zinc français VM Zinc est pas le moins cher, ça c'est clair. Moi, si j'utilise celui-là, c'est surtout parce que j'aime bien la marque. Voilà, je bosse depuis mon apprentissage avec ça. Quand je faisais mon apprentissage chez les Compagnons, ils fournissaient quand même beaucoup de documentation sur les techniques de couverture à tasseau ou les différentes techniques de couverture zinc. Je sais aussi qu'historiquement, ils ont beaucoup participé au développement du zinc. Donc moi, pour ma part, ça ne me dérange pas de payer un peu plus cher, étant donné que j'apprécie plutôt cette marque. Voilà. Mais après, c'est plus un avis personnel, je ne suis pas là pour recommander une marque ou une autre. Donc là, le bord que je viens de rabattre là, donc c'est simplement pour la naissance agrafe. Parce qu'en fait, le système de naissance que je vais mettre là, c'est une naissance agrafable. Donc c'est surtout une naissance qui permet un gain de temps. Voilà, ça évite
Ça évite de faire un collet battu, ça évite de faire trop de soudure. Et elle vient s'agrafer comme ça. Par contre, pour que ça fonctionne, le bord ici est indispensable parce que sinon, l'eau peut revenir en filant comme ça. Et on peut se retrouver avec une fuite. Donc là sur les naissances, j'ai toujours tendance à y faire des petits points de soudure. Là c'est simplement parce que je sais qu'il va y avoir des façadiers qui vont venir refaire la façade et que souvent quand ils mettent leur dévoiloir, ça force et elle a tendance à se démancher. Donc pour éviter que ça arrive en anticipation, je fais des bons points de soudure ici. Voilà, maintenant mes gouttières sont soudées et préparées, enfin du moins pour les talons et les naissances. Et maintenant je vais les monter là-haut et les mettre en place et bien les brider dans les crochets. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien serti mes crochets. Donc ici, j'ai mis un bon coup de pince plate pour bien enrouler lui autour. Et là, il y a une petite subtilité. En fait, j'ai mis un bon coup de maillet pour que ma pince soit aplatie sur une bonne largeur, de manière à ce que la paillette, quand elle vienne se rabattre, qu'elle soit pas simplement rabattue avec un coup de marteau
aplatie sur la pince, parce qu'en fait, elle viendrait écraser la pince et elle se retrouverait bloquée sur ce relief-là de chaque côté, et ça empêcherait la gouttière de dilater. Ce qui serait pas bon pour qu'elle tienne dans le temps. Donc ma gouttière est posée et dressée dans les brides. Et maintenant il ne me reste plus qu'à faire les soudures de jonction, donc à l'étain avec le fer à souder. Et une fois que ça se sera fait, j'aurai plus qu'à remettre mes tuiles et la gouttière sera terminée. Voilà, bon bah la gouttière est terminée de poser. Donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. Cette vidéo fait partie du défi que je me suis lancé, donc de 52 vidéos en 52 semaines. Donc pour ceux qui souhaitent suivre et voir une vidéo sur le métier de couvreur-zingueur une fois par semaine, je vous invite à vous abonner à la chaîne ou rendre visite à mon blog dans la description. Et sinon, pour la prochaine, et ben, la prochaine étape, ce sera la pose du tuyau de descente, qui sera la prochaine vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt.